Yo les gens, c'est Flo2017.1, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur PS4 pour vous présenter le second épisode de ma nouvelle série, les modes spéciaux sur Call of Duty. Donc le premier épisode c'était déjà sur Code 4, donc c'était pour vous présenter la mêlée générale old school. Cette fois-ci, ça va être toujours sur Code 4, mais pour vous présenter un mode assez connu des joueurs Code 4, donc le mode Cage. Donc je remercie quand même Community God qui m'avait accepté le premier épisode, donc je renverrai aussi ce second épisode et je renverrai aussi ce second épisode à la chaîne Concept Code, donc qui m'a demandé d'envoyer des gameplays sur leur chaîne communautaire qui vient de commencer, donc j'enverrai. Donc je remercie Simi Upload tous les deux. Donc maintenant on va plus s'intéresser à ce mode. Donc ce mode est un AVS1 sur Call of Duty 4, donc qui va en 10 points, donc le premier qui arrive à 10 kills a gagné. Donc on gagne 400 points par expérience, donc c'est plus que par exemple une domination. Donc ce mode est quand même assez utilisé. Donc la plupart des joueurs qui y jouent, ce sont des gens assez forts, donc des hauts prestiges, mais bon maintenant on peut plus trop faire la différence entre des gens forts sur Code 4 et des gens qui ont été hackés, donc comme moi. Donc ce mode a existé aussi, désolé, sur Modern Warfare 2, donc qui s'appelait la troisième personne cage match, mais qui a été supprimée le 6 avril 2010 sur Xbox 360 et le 4 mai pour PS3 et PC, et qui a été remplacée par l'équipe tactique. Donc c'est le seul jeu où il y a ce mode-là. Donc là, dans cette partie, je jouais au sniper, donc au M40A3 et au Desert Eagle. Donc vous verrez que je vais faire 2 kills au T-shirt Eagle, vu que j'étais en mauvaise posture. Vous verrez. Donc regardez là, ça va être là, je crois bien. Oui voilà, c'est là que j'arrivais pas à trouver cette personne. Donc désolé si j'ai pas trop de choses à vous dire. Donc ce sont c'est quand même que les deux premiers épisodes de cette série. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de choses à dire. Mis à part que c'est un mode assez spécial. Donc ça peut rappeler les 1v5 qu'on fait contre nos potes. Hein, mais sauf que là c'est en ligne. Donc c'est contre des gens qu'on connaît pas. C'est pas mal pour s'entraîner si on est débutant. Donc La vidéo va bientôt se finir, désolé. Je sais pas pourquoi je m'embrouille comme ça. Donc voilà, le dernier film. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Donc je remercie ici les deux chaînes communautaires à laquelle j'ai envoyé cette vidéo, Maxep. Et moi je vous dis à plus tout le monde. Et encore merci.